Main en fait. C'est vrai. C'est, je crois que c'est pour ça qu'on avait dit qu'on pouvait pas. Hein. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va, ça va. Alors, bon bah c'est le retour. Le retour de vacances. Le retour de vacances. Du coup, ça rebosse en live. C'est la rentrée. Avant la rentrée. Avant la rentrée en plus, c'est vrai que. Ouais, toujours rentrer avant la rentrée. Ouais. Comme ça, ça évite que tu sois trop fatigué. Alors, bon,
qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah nous apparemment de faire les boutons à la souris. Yes, exact. Actuellement on n'a pas de souris, c'est que du debug les trucs de souris. En effet. Quant à moi, en fait, je vais continuer à faire des héros. Parce qu'en fait, pendant les vacances, en gros, on en a parlé un petit peu et il faut rajouter en fait des héros pour ajouter un peu plus de diversité de gameplay et même continuer à revoir certains héros parce que sinon, on s'est rendu compte que sinon c'est trop boring, c'est et des capacités en fait qui ne servent à rien. Parce que en fait c'est plus des capacités à combiner en nombre et tout ça, et en fait ça les rend un peu moins intéressants que certains. Donc du coup on aurait un problème d'équilibrage par la suite, donc du coup on est en train de refaire certains héros et d'en créer de nouveaux. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire. Enfin c'est moi en tout cas c'est ça que je fais. Et d'ailleurs j'ai constaté en retournant sur les rediffs. En faisant des rediffs, des reviews de rediffs, que t'avais au final jamais fait la storyboard du combat. Enfin, j'avais fait c'était le tout premier mock-up. On a celle du menu, enfin pas du menu, enfin si du menu principal on a celle de la ville, enfin de la guilde plus ou moins. Yes. Celle dans le donjon, mais on n'a pas celle du combat. Ouais, c'est pas faux. Après c'est parce que dans ma tête au moment où j'y ai peut-être pas pensé à le faire parce que je pensais que bon ça allait changer pas vraiment pas eu le temps. Du mock-up. Oui j'avais pas eu le temps. Et du coup t'avais dit je le ferai une prochaine fois, tu l'as jamais fait. Mon dieu. Voilà. Je le ferai. Moi je rappelle les torts du passé. Ok. Je suis le redresseur des torts. Ouais super. 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 Incroyable. Déception intense. Mais ouais, t'as raison, c'est vrai. Parce que moi, en fait, je pensais peut-être au premier mock-up qu'on avait fait, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas... Avec le manque de temps et tout, j'y ai pas pensé après. It is vraiment possible, en vrai. Alors. Du coup. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on a? J'étais en train d'essayer d'ouvrir un truc, je sais plus quoi. Je crois que c'était pour ouvrir un widget quelconque. Genre text widget. Et pas, ouais. Parce que au final, tous les components se retrouvent. Ouais, ça va. Il n'y a que deux if dev de debug pour dire le renderer il est là, c'est pas dramatique. En fait. Ça aurait pu être plus grave en vrai. Il y a vraiment que le base widget component qui est vraiment dégueulasse avec des ifdev toutes les deux lignes à peu près. Quoi. Ouais, je me disais la limite, c'est envie, toi, les deux constructeurs de les écrire deux fois en fait. Comme ça, t'as un seul ifdev. De tout mettre. Ouais, d'en faire un sans la fonction debug et un avec. Et je sais pas si c'est plus lisible. En vrai, je t'avoue que je pense que ce sera un peu mieux quand même bien dégueulasse. Là. Et du coup, tu disais, donc il y en a un, tu le mets comme ça sans. Mais ça dure. Un if and def et un else, et puis. Tac. Donc celui-là, au final, on peut en plus. Ça casse moins l'alignement et tout ça. Ça dégage. Ça, on doit le mettre deux fois, ça on met ici. Du coup, celui-là n'existe plus parce que voilà. Normalement, t'auras plus qu'un seul. Et après, on fait pareil avec l'autre quoi. Là par contre, ça va pas marcher parce que tu peux le définir deux fois. Ah non, il n'y a pas le même nombre d'arguments donc c'est légal. Ouais, ok. Ouais, effectivement. Non? Mais ça voudra dire que en debug, tu pourras ne pas passer le debug en erreur, ça risque de pas compiler. Celui-là, ça va pas marcher. Ça ne va pas compiler. De quoi ? Ça va pas compiler en debug parce qu'il va essayer de te compiler le premier constructeur où tu passes pas la fonction de debug render. Et comme il a pas de constructeur par défaut. Il va essayer d'utiliser. Il va le compiler, je pense.
Il va te compiler les deux en debug. Alors qu'il faut qu'il pourra pas. Ouais, mais donc, du coup, la. Ouais, ouais bah, tu vas être un if else en fait. Le else. C'est ça. Parce que de toute façon, même le. Le move, je pouvais pas le faire. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est un unique, je peux pas le redéfinir à la volette comme ça. Je crois pas, hein. tu m'arrêteras si je dis des conneries, mais il me semble que tu peux pas redéfinir deux fois le move constructeur. Non, je pense pas. Non, c'est pas. Et ouais, du coup, après, là, selon ta préférence, tu peux tout mettre dans un seul. Ouais, du coup, ouais, je vais plutôt tous les mettre ensemble, ce serait mieux, ouais. Je sais pas si vraiment, comme tu dis, c'est mieux niveau lisibilité, mais. Enfin, je trouve que c'est déjà un peu moins grossier à lire, quoi. Ouais, c'est ça. Après, tu vois moins. C'est plus compliqué de faire la différence entre debug et pas debug, mais dans l'ensemble, c'est plus lisible, je trouve. Enfin, c'est plus agréable. Donc, je suis un peu partagé entre les deux. Putain, je chipoterais. J'inverserais les deux, mais. Ouais, c'est ce que je veux dire. Mieux je pense en fait d'inverser les deux, c'est le niveau de lisibilité. Ouais. On peut juste if def and debug du coup. On est d'accord. Oui. Pas obligé d'inverser la condition. Pour une raison obscure. Non, pas de soucis. Je pense déjà là en vrai ça se comprend mieux en fait la différence. Rien que là tu vois que bah c'est les mêmes constructeurs, c'est juste qu'il y a un paramètre en plus. Après c'est toujours les end debug, c'est toujours un peu difficile à lire parce que. If def not debug, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Mais ça. C'est toujours un peu bizarre. C'est une habitude à prendre. C'est ça. Bah, les booléens qui s'appellent not, c'est pas. c'est particulier, c'est une habitude. Quoi. C'est... Après, par contre, les autres, je le ferai pas, je pense. Ouais, non, pour les autres. C'est une seule ligne. C'est ça, c'est plus ponctuel. Et donc c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire les boutons au final, parce qu'on n'a pas de boutons à proprement parler. Ça fait. Au final le bouton ce sera un peu un container particulier. Hein. Au final il va définir lui-même plusieurs widgets qu'il va afficher selon son état interne. Ouais. Bon, les états d'un bouton c'est clicked, idle et over. Enfin, il y a au moins ces trois états là, je sais pas si on a d'autres. Il peut y avoir j'allais dire un select, mais en fait le select c'est un peu le over. Ouais, on peut dissocier les deux après, c'est pas illégal. Tu peux avoir un état disabled par exemple. Ah oui, ouais, tout à fait. Ouais. Mais je sais pas si ça sera utile tout de suite. Et du coup au final il va se retrouver avec plusieurs base widgets qu'il affichera selon les circonstances en fait. Il activera. Ça fera un peu le rôle du flow controller, un peu le même principe. Ouais. Enfin, du coup en fait le widget aura un contrôleur lui-même. Enfin le button aura un contrôleur pour savoir ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il affiche. Puis surtout une fois qu'il est cliqué, qu'est-ce qu'il doit faire, faut qu'on voit comment on va intégrer ça. Ouais, comment brancher le callback. On va déjà faire la base. Donc,
sur les renderers. Ah, j'y étais comme un bois, j'ai retiré tous les passes. On va avoir besoin de ça d'ailleurs. Pandémie, Eders, Ogi, Jet, Rambler. Non, c'est déjà trop mal. Des structures partout, faudrait que je me décide à un moment sur ce qu'est une structure et ce qu'est une classe. Ouais. Toujours là, le dilemme. Descripteur. Public, une base. Non, c'est quoi, c'est une base. Widget, compte descripteur. J'ai vraiment réduit le nom. Ah ouais. Ouais, je suis en salle. J'avoue. J'avais pas, ça m'avait pas choqué. Ouais, mais en même temps, c'est des noms à 3 km de long aussi. Component, du coup. Par contre, je crois que l'instance, j'ai pas. Ouais, pas réduite. Du coup, t'as peut-être fait de réduire le descriptor en desk. Ouais, au final, ça aurait plus de sens, ouais. Ouais, va falloir que je fasse du nettoyage à un moment là-dessus. Après, tu vas me dire. Pour le moment, c'est légitime ce que les widgets, enfin les components et les descripteurs, c'est vraiment que de la data, c'est une structure de data au final. À part le isSendType. Un peu du utilise quoi. Ouais. Au final, c'est que de la data. C'est pas déconnant que ce soit une structure. Par contre, il y a plus de questions à poser du côté des contrôleurs là où il y a un peu plus de logique et un peu moins de data. Bon, c'est là par contre. Et c'est des structures aussi, je crois. J'ai fait ça en C quoi. C'est une honte. C'est honteux. Pass widget component, il y a déjà le pass widget descriptor. Descriptor, donc celui-là, c'est. Ah, le pass widget descriptor. Bon. On commence par les idle, on n'est pas des sauvages. Là, je crois que je me cours sur la nomenclature. Non, c'est les paramètres. Peut-être tu les mettrais pas plutôt dans un. Tu ferais pas plutôt une énum et tu les mettrais dans un array. Bah, j'hésite et en même temps je me dis. C'est pas forcément aussi explicite quoi. Ouais, comme tu préfères. Enfin, parce qu'on sait qu'on en a un nombre fini, tu vois. Ah, mais si c'est un arrêt, genre un buff, un truc. Taille fixe quoi. Ouais. Bah là pour le coup je suis pas vraiment convaincu pour l'accès à un arrêt tu vois. Non mais comme tu préfères. Surtout que tu sais on va pas forcément passer de l'un à l'autre dans une logique quoi. Enfin, au pire tu passes forcément de idle à over à selected et encore pas forcément parce que du coup le selected il arrive que dans certains cas. Donc il n'y a pas vraiment une navigation dans le tableau qui soit intéressante non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
partir sur Selected. Non, bah non. Là où c'est plus. Le tableau, ça peut être intéressant avec une énum, c'est si t'as besoin à un moment de récupérer l'état du truc d'un point de vue externe, mais. Ouais, mais pas sûr que ce soit nécessaire en fait. En fait, si c'est nécessaire, c'est qu'on a merdé quelque part, je pense. Bah, je sais pas, par exemple, dans le contrôleur qui va gérer les inputs, s'il y a un clic, il faut qu'il le vérifie que si t'es en. Over, tu vois. Bah, pas forcément. Mais, ouais. En fait, enfin, c'est relativement improbable slash impossible que tu cliques sur un bouton sans qu'il soit over. Mais en fait, enfin, le contrôleur, lui, il va juste vérifier que t'es sur la zone du bouton et si c'est le cas, il va actionner l'action du bouton. Et enfin, ouais. il va lui dire, bah maintenant t'es en clic, tout quoi. Et du coup, quand tu fais un release, t'as une input qui est en release, tu passes en idle derrière. Ouais. Et du coup, si tu fais un clic à côté, idle. Si tu fais un clic à côté, un clic, tu presses un bouton à côté du, enfin ta souris à côté du bouton. Ensuite, tu passes sur le bouton. Et tu relâches. Mais il sera en idle. Comme il était avant. Parce que, ouais. Et ouais. Non, parce que moi j'aurais tendance à dire que le comportement dans ce cas-là que tu veux, c'est que quand t'as le bouton à pied et que tu passes sur un bouton qui existe, il passe en over. Ah. Et quand tu le lâches, ça déclenche le truc. Ou il passe en click. Aussi. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, le truc c'est que typiquement tu veux pas lancer l'action sur le clic. Oui, il faut que ce soit sur le relâchement, ouais. Sur le release que tu as lancé l'action. Après, la question elle se pose de bah si tu viens de l'extérieur et que tu relâches sur le bouton alors que t'es pas assez. C'est ça, parce qu'il faut un feedback. Parce que si tu fais l'action quand tu relâches le bouton, mais que ton bouton il est toujours en idle, ça fait bizarre quoi. Pas trop de feedback. Ouais. Ouais, et puis tu risques d'actionner des trucs que tu as pas en fait. C'est ça. Oui. Bon, après, ça sera au contrôleur de gérer ça, je pense. Ouais. Parce qu'après, le contrôleur, lui, il saura dans quel état est le bouton normal. Bah, justement, c'est ça que je te dis, c'est que si tu peux connaître l'état et que tu veux pas tester que ton pointeur il pointe vers idle widget ou vers over widget, machin, bah, c'est pas mal d'avoir un tableau avec une énum de dans quel état t'es. C'était juste, c'est le point que je vois avantageux avec un tableau. Après, tu peux avoir les noms sans avoir le tableau, je pense. Juste que du coup, ouais, par contre, c'est ah, mais du coup, faut que tu passes à la main. Qu'est-ce que tu dois displayer Je réflexionne. Parce qu'en fait, le truc, c'est est-ce que ce sera le component qui, du coup, connaîtra dans quel état il est? Et juste le contrôleur lui dit, ben maintenant t'es dans tel état ou un truc comme ça. Ou est-ce qu'il y a juste le contrôleur qui a besoin de savoir ça? En fait non, parce que le bouton il doit, enfin le component il a besoin de le savoir, parce que c'est lui qui va rendre. Pour le rendu, ouais. Il sera obligé de savoir dans quel. C'est ça. Après, ce qui se dit en fait, le descripteur peut stocker les informations différemment du component. Oui, c'est ce que je viens de réaliser, là, c'est que là-dedans, le descripteur et pas dans le component. Et pour le coup, le descripteur, vu que c'est plus l'interface avec le MDF, c'est ça. Il faut qu'il soit un peu plus explicite sur qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir. Oui. Mais c'est vrai que pour le component, ça aura probablement plus de sens d'avoir un tableau et une énum pour naviguer dedans. Ouais, ok, ouais. Car... Ça vient de cliquer dans mon cerveau. Oui, parce que la reprise aussi, hein. pas non plus brusquer les matières grises. Après ça, on a fait quoi, une pause d'une semaine et demie, quoi. Pas non plus. On n'est pas les plus grands charlatans de l'univers, quoi. Oui. Je
je réfléchissais à comment faire le constructeur et je me disais mais c'est marrant, le constructeur du container il récupère pas les enfants. Je crois qu'en gros on construit le descripteur et après on le nourrit de des trucs qu'on dit dans le MDF. Il me semble. C'est pas forcément le meilleur cas, le cas le plus probant. Parce que ouais, c'est plus comme ça au final, on leur envoie les paramètres normalement qu'on a besoin d'avoir. Sachant que là du coup il y a que des descripteurs. Donc, techniquement on n'a pas besoin de lui envoyer l'allocator. Ça peut être bien. Est-ce que pour le disable tu vas pas l'appeler disabled avec un D? Ouais, j'ai hésité. Parce que comme les autres c'est des Z. Mais je crois que je me suis un peu arrêté. Comme l'autre t'as mis clicked et du coup over peut-être aussi. Over, ouais, je vais le mettre aussi. Après idle, il va rester idle parce que idle, je ne crois pas que ça se dit. Il y a idling. Tu pourrais faire le tab. Ouais, mais du coup c'est pas le même. C'est pas la même construction. La même terminaison, mais c'est le même sens, je pense. Ah, quoique. Ah non, parce que C'est l'état. C'est un état courant, alors que clicked ou disabled, c'est un état fini. C'est vrai que idle en lui, c'est un adjectif, en fait, déjà, je crois. Ouais. Je dis pas de conneries. Après, over, j'ai un peu envie de l'appeler selected, mais. Parce que quand t'es au clavier souris, tu vois, tu over pas un bouton. Ça peut être confusant en fait, mais. Clavier de souris, même contrôleur, c'est plus du focus. Et du coup, selected, toi, ça peut faire un bon résumé des deux. Après, clicked, c'est pas fou non plus, mais c'est relativement acceptable en termes de ce qu'on va considérer. Quoi, mais... Sinon, tu peux avoir prest. Ah ouais, prest. Générique. C'est bien, ça. Peut-être que aussi les touch et les trucs comme ça. Faut que j'arrête de doubler mes ED là. Selected Trust Disable. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. On est sur du nom bien générique qui va bien marcher toute la vie là. Enfin, jusqu'à la prochaine révolution. La semaine prochaine. La semaine prochaine. est-ce que je vais prendre en compte. Create instance, c'est pas const. C'est quoi ces histoires? Jet. Il est marqué const, hein. Ah, je l'avais pas vu. Donc, techniquement, les descripteurs, je peux les avoir en constant. Ouais. Oui, on devrait pas. Changer de. Non! Après, est-ce que je les prends en référence? Ça dépend, je sais plus comment ils sont construits. Est-ce que tu peux les move dans ton truc ici? Normalement, il y a les move, hein, il me semble. Est-ce que ça dépend, est-ce que c'est ce composant là qui sera après responsable de. Qui sera owner de ces trucs là ou pas? S'il est owner, bah. Bah, en fait, ouais, c'est ça le truc, c'est que normalement, on va passer par le loading du MDF. Qui va nous produire les bases widget descriptor qui va lire en enfant du widget, enfin du button widget. Il va les passer au button widget à sa construction. Et à partir de ce moment-là, lui, il est plus censé en avoir conscience. Ouais, donc tu peux les. Du coup, c'est lui qui est responsable de la durée de vie des widget descriptor. Ouais, donc tu peux. Et normalement, il y a le move, si je dis pas de conneries. Ouais. Ça se move tout en délicatesse. Oh, c'est ça, c'est un base widget descriptor que j'ai. Nice. Là, on va avoir beaucoup d'arguments par contre. Mais du coup, faut pas les mettre en référence. Quoi? Non, faut pas qu'ils soient en référence du coup. Ouais. Si tu veux garder l'ownership ici. Par contre, je l'ai récupéré en référence dans le constructeur quand même. En R value. En R value, du coup, directement. Ouais. Mais pas const, du coup, parce que R value const. Il va pas trop être d'accord avec ça. C'est impossible. Ça,
ça va être spécial, hein, parce qu'il faudra bien considérer qu'après ils n'existent plus. Bon, c'est pas très grave. Hein. A priori, t'en auras pas besoin. Les deux. Par contre, on a 10 Snake Case en argument. Les deux. Je vais copier. Ouais, ça me paraît le type maintenant. Et donc ici, il faut que je les construise en move, du coup. Ouais. C'est un LC move, c'est ça? Ça fait. Idéal. Tac. Tu vois, par si contre, t'as pas le... En fait, faut que j'appelle le base avant. Est-ce que j'étais en train de te... Avant de faire mon sac. Est-ce qu'il a pas besoin de... Je crois qu'il a besoin d'un allocator. Et ouais, c'est à ce moment-là où je me dis, il a peut-être... C'est peut-être lui, en fait, qui a besoin de l'allocator, mais... C'est le malheur. Non. Apparemment, il a pas besoin d'allocateur. Parce qu'il a rien en fait. Très bien. C'est un objet vide. Ouais, il a vraiment rien. T'es même pas obligé d'appeler le constructeur alors. Ah, parce qu'il ouais, il a rien du tout. Enfin, maintenant qu'il est là. Hein. Manque une parenthèse fermante juste au-dessus. Bien vu. Comme une fois. Les virtuels, vous les mettez à droite aussi ou pas? Non, je pense pas qu'on puisse. Bah, je me suis posé la question et j'étais en mode genre, j'en ai jamais vu à droite en fait. Je crois. Je pense que cela n'est pas trop croisé. Je suis en train de me poser la question si l'override tu peux le mettre à droite. Ah, à gauche? Parce que tu peux enchaîner normalement virtual override. Je sais pas si dans ce cas là tu me mets à gauche ou à droite, mais tu peux les enchaîner. Non? Bref, on s'en fout en fait. Tant de questions sans réponse. Donc ça. Ça c'est forcément nécessaire, je sais plus quoi ça sert. Mais... Ouais, c'est pour envoyer dans le constructeur de base widget component. Ouais, je crois qu'on le set après dans le CPP ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça, on l'envoie après ici en argument. Pour que tu puisses dire fait partie à peu près. L'héritage tout pourri avec c'est ça. Le type info. Le truc sorti des enfers un peu quoi. C'est marrant. Du coup je vais avoir besoin de ça bien sûr.
là par contre on peut avoir un static array de 4 base widgets. Et du coup normalement dans NLC il y a des trucs. Oui, un stack buffer. Mon dieu, j'ai cassé mon... Qu'as-tu cassé, petit? Ah, ça y est. Thème. Il y avait des stack buffers. Ouais. Du coup, ça alloue sur la stack ou... Oui. Ça fait sens pour l'usage qu'on en a. Ils sont dans quoi? Dans dialect? Dans dialect, ouais. Que c'est, ah, c'est parce qu'ils sont dans buffer, ils sont pas dans stack buffer. Ah ouais, ouais. La feinte toujours. Surtout qu'en plus il n'y a pas d'autres buffers, c'est dommage. Il y en avait au début, mais en fait il y en avait trop de différents qui faisaient presque la même chose et du coup il y a eu un nettoyage. Suite à de multiples refacto, le fichier n'est plus si bien nommé que ça. C'est ça. Et du coup. Ça arrive souvent en vrai. Même la classe est pas si bien nommée que ça. Parce que tu peux très bien faire un unique pointer de stack buffer, tu vois. Du coup, c'est plus vraiment un stack buffer. C'est un buffer. Il est plus sur la stack. Un unique pointer de stack buffer. Ouais, mais du coup, il est plus sur la stack. En effet, ouais. Voilà. Donc, c'est plus un buffer simple. Parce qu'après, ouais, c'est lui, il essaie d'allouer à la suite de là où il est, quoi. Disons que, ouais, ça, lui, il fait pas d'allocation dynamique, quoi, mais en interne. Mais après,
C'est juste qu'il a une taille dynamique selon ce que tu veux et la quantité que t'en veux, quoi. C'est ça. Du coup, après, si tu la loues sur la stack ou sur la heap, lui, il vérifie pas et a niqué, quoi. C'est ça. D'accord. En effet, du coup, c'est un buffer plus que quelque chose. Ouais, c'est un static buffer, en fait. Ouais. Et du coup, par contre, t'as pas mis le bon nom de fichier. Bah non, parce que... Parce qu'on en parle et du coup, bah voilà, moi, j'oublie qu'il s'appelle, il s'appelle Buffer, pas Static Buffer. Bref, ça. D'ailleurs, il faudrait que tu rajoutes l'inclus de Arithmetic Types aussi pour le useSize. Ah oui, c'est vrai, carrément. Du coup, c'est quoi ces types et ensuite quantité? Ouais, c'est ça. Par contre, du coup, ici, ce sera pas des. Ce sera des units. Ce sera des bases widgets tout court parce que on va faire les instances en fait. Ouais, du coup faut que tu les mettes en unique pointer, non? En fait. Pense, pourquoi? Parce que c'est la taille variable. Ah. D'héritage. Oui, ça. Attends, base widget, il n'y a pas d'héritage. Ah bon? Non, il a des personnes qui eux ont de l'héritage. D'accord, ok. Ok, bah du coup. La feinte! Et du coup, eux ils sont déjà en unique pointer. Ouais, ok, du coup c'est bon, ça le fait. Tu peux y aller. Je crois que le stack buffer il t'engueule si t'as des objets. La pirouette scénaristique, quoi. Mais non, c'est pas là où il y a de l'héritage. Ah, l'héritage est caché. Ah, donc c'est quoi? C'est. Status. Ouais, je sais pas comment les appeler. Widgets. Du coup, on a dit il faut arithmetic types. Et il te faut aussi, mais pas basics pour le move. Pour ah oui, pour le NLC move, ouais, je le demandais tout à l'heure, puis j'ai oublié de le demander. Voilà. Et il te manque la taille, mais du coup faut que tu définisses les num. La taille? Ah oui, oui. Nombre de widgets que t'as. Mais justement, j'étais en train de dire qu'il faut que je définisse les num de. Quelle taille du coup? 8, je pense. Ouais, ça suffira. T'as plus de 255 états. Ce sera pas ça, un truc chelou un peu, quoi. Et du coup, je les ai dans Arithmetic Types, les U8. Ouais. D'accord, hein, j'ai pas de truc à rajouter par-dessus. Donc c'est header. Comment? Donc un D. Ah oui, j'ai oublié le D de Z. Et là, donc faut que je statique casse par contre. Alors par contre, j'ai vu récemment qu'il y a une sorcellerie où tu peux potentiellement passer directement les num en valeur. Si tu fais un plus dedans. Alors je sais pas si ça a marché. Oh! C'est-à-dire que si tu fais plus status size, hein, vu que tu passes sur une opération, en fait, il va caster forcément le status en taille. C'est fat. Alors, faut que je teste si ça marche, parce que j'avais vu les mecs qui disaient, ouais, ça, tu peux utiliser ça pour downgrader en fait l'énum vers une valeur d'int. Mais je sais pas quel type de warning ils utilisent sur leur compilo, parce que pour moi, ça plaît en fait. Mais Après, on a un truc un peu dans le même genre où on fait des plus sur des lambdas pour les transformer en fonction C, en pointeur sur fonction C. Ah bah ça doit bien marcher. Ça doit être le même truc, je pense, le même tricks.
Parce que tu peux promouvoir ou je vais le linker parce qu'en vrai c'est trop de la balle. C'est un Stack Overflow qui te montre un peu toutes les features cachées qui existent dans le C++, des trucs complètement pétés. Et il y en a des bien fat quand. Je sais pas si ça intéressera vraiment. Mais... Ah oui, le truc des tableaux où tu peux inverser l'indice et le nom du tableau. Ouais, alors ça, bon, faut en avoir l'usage, hein, parce que franchement, ouais. Mais j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, c'est malin, et puis c'est logique en fait. Mais alors, par contre, pour l'utiliser, je sais pas trop dans quelles circonstances tu peux l'utiliser. Ça. Mais c'est rigolo. Non, mais c'est marrant, ouais, c'est des petits trucs. Ouais, tout est pas forcément utile après. Il y a des trucs, c'est vraiment genre, bah c'est possible, du coup on fait quoi. Oui. Mais du coup, je suis curieux de voir si le truc de downgrader l'énum en int ça marche, parce que franchement, si ça marche, c'est chambé de ouf en fait. Ouais, parce que la syntaxe est dégueulasse sinon. Quoi. Ah, le static cast partout, merci, mais c'est chiant. Oui, t'avais fait les frais déjà sur, bah, sur le flow controller. Ouais, je crois que c'est ça. Ça doit pas être celui-là, ouais. C'est le flow controller qui, comme tu disais, qui devait en avoir surtout pâti parce que bah. Il y a une taille à chaque fois, fallait aller chercher dans le bon tableau au bon endroit, machin, tout ça. Ouais. Du coup, il me faut le constructeur, bien évidemment. Donc là, c'est la fin parce qu'il va me falloir les fonctions de render. Moi, je vais faire mon gros sac. Ah, il y a le descripteur aussi. Garde une référence sur le descripteur. On va garder quand même. On peut mettre des URL dans le code directement sans les mettre en commentaire. Oui. Oui. Alors ça c'est pareil, je crois que tu feras jamais dans ta vie, mais tu peux. Ah oui, d'accord. Parce qu'au final, c'est que des caractères qui sont compris en fait. Ça devient, ouais, ça devient un label en fait. Ouais, c'est ça, ça devient un label sur lequel tu peux jumper et après, c'est bah, que des labels ou des trucs comme ça. C'est niqué quoi. C'est rigolo quoi. Ça te servira jamais dans ta vie et je pense pas que tu puisses en avoir un usage correct de celui-là pour le coup. Je sais pas si tu l'as vu, mais le mec il dit ouais, il y a une future assez cool. C'est le try catch de la taille d'une fonction. Tu peux, au lieu de définir les scopes d'une fonction, faire un try catch. Et du coup, le scope il est défini par les try et le catch. Ok. C'est. Pourquoi pas. Après, j'utilise jamais de try catch. Ah oui, d'accord, ok. Je suis pas. Okay. Je suis pas le plus grand client de ce truc-là, mais c'est rigolo. Je suis sur les analog literals. Où en gros, tu peux définir des chiffres, des entiers, en mettant des 1 i majuscule. Ensuite, tu mets 2 n plus 1 tiré. Et tu reviens. Ah oui, pour avoir les tailles là. Pour que ça représente la taille du truc. Ah oui, puis après, tu peux avoir l'air et tout ça. Ouais. C'est complètement chambé ce truc. Alors j'ai toujours pas compris comment ça marchait en bref. Hein. J'ai pas regardé en détail comment ça fonctionnait. Mais ça a l'air complètement ouf. Ouais. C'est un peu ouf. Quoi ? Tu peux faire des trucs en 3D aussi ? Oui. Les mecs ils ont été trop loin avec les literals quoi. Ça abuse. Et du coup, je crois que ça compte genre le nombre d'espaces qu'il y a pour avoir la taille, machin, et tout ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Et franchement, il y a des gens, ils sont complètement fous sur les langages. C'est un peu absurde au bout d'un moment. Quoi. C'est génial.
Ah, du coup. Je partage. T'as partagé aux copains. Ouais. J'ai pas suivi ce que t'as fait. Oh, j'ai pas fait grand chose. Enfin, un copier-coller de gros bourre. Hein, ah, je veux dire, il y a beaucoup de codes, mais c'est du copier-coller. Bah, ce qui est bien, c'est que vu que le render il fait de la déduction de type avec le ZIS, bah, c'est toujours le même code au final. Ouais. Après, il y a des trucs où forcément je fais n'importe quoi, genre chez le drone ça ne marche pas, tu vois. Mais pareil, ici, il va falloir que je passe vraiment tous les. Ah oui, oublie. Tous les. Oui. Ce qui était chiant avec le stack buffer, tu te rappelles que. Au début, il initialisait avec un peu n'importe quoi. Oui, il faut appeler le move constructeur ou un truc. Enfin, pas le move constructeur, mais constructeur in place ou un truc comme c'est ça. Il faut que tu aies un constructeur qui prend pas grand chose dans BuzzWidget du coup. Mais je crois qu'il a rien BuzzWidget donc. Ah si, il a des trucs. Il a pas de. Il a surtout pas de constructeur par défaut. Est-ce qu'il a toujours besoin d'un allocateur? Est-ce qu'il a besoin d'un allocateur pour le nom? Alors que le nom est optionnel, c'est dommage. Et il y a besoin d'un locateur pour le vecteur aussi, de composants. Aussi. Qui lui n'est pas optionnel, mais bon, il pourrait être vide, et du coup, je crois que par contre, tu peux pas construire sans allocateur. Non, parce qu'après, tu peux pas ça le repasser. Ça n'a pas de sens en fait. C'est ça. Donc en fait, on peut pas utiliser ça. À moins que. Si, il faut juste que tu fasses un constructeur, parce que là t'en as un d'allocateur qui est passé. Donc il faut que tu crées un constructeur de base widget qui prend que un allocateur. Comme ça tu peux appeler celui-là. Et après dans screen position size tu mets 0 tu vois. Mmh. Pareil le nom tu mets rien. Mais du coup, je pourrais quand même. Comment je passe l'allocateur au. Bah, quand t'appelles le constructeur in place, tu peux envoyer les arguments que tu veux dedans. T'inquiète. C'est pour le constructeur in place ? Que le constructeur in place, enfin. En fait, il est appelé à quel moment ? Bah, il faudra que tu l'appelles toi à la main dans. Ici. Ici même. Parce que là je suis en train de me demander si... Parce qu'en fait je pourrais directement lui envoyer les bons widgets. Ah non, il a pas de constructeur par copie. Bah il y a le move. Techniquement je pourrais. Non. C'est-à-dire. Move les bons widgets dans le widget qui est alloué sur place. C'est pas légal ça? Si, mais le problème c'est que tu vas faire un move. Ah, et puis après il va détruire l'ancien. Il va essayer de détruire le vieux qui a de la mémoire dedans. C'est ça. S'il est pas initialisé avec un truc vide, ouais, correct, je peux faire, ça peut te faire des crash. Je vois. En fait, je dis ça, mais c'est super risqué parce qu'il faudrait que j'appelle le create instance dans le constructeur et on n'est pas très friand de ces choses-là. Ah, oui, non. Bah tant pis, on va faire un constructeur tout simple. On peut juste envoyer l'allocateur à une string. Elle va se construire vite ou pas. Regardez. Je sais plus comment ça fonctionne. Je crois que je t'ai envoyé le truc la dernière fois d'ailleurs. J'ai jamais retrouvé les strings. Les strings c'est dans container, c'est ça? Non. Je dis à chaque fois ça. Mais non.
pour le semestre. C'est mon dialecte. Bon, j'ai regardé dans Fundamentals. Ah, tu vois, c'est bien ce qu'il me semble. Même toi, tu te trompes. Ah, mais c'est parce que j'étais dans Alco. Mais tu peux envoyer. Je peux pas trouver. Soit allocateur nul PTR et 0. Soit allocateur et une string joue vide. String joue vide. Si je lui envoie deux doubles cotes, il va comprendre que c'est une string joue vide. Non. Maintenant, il va te créer une string joue avec un 1 slash 0. Dedans. Bah, nul PTR 0. Hein. Ouais, je pense que c'est le plus simple. Position 0, 0. C'est des flottes. De respect pour le type. De respect pour le type là. Et on reste component. Donc là on peut juste allouer. Attends, c'est les gars. Et donc c'est dans le constructeur que je dois faire le charlatanisme de oh là là. Tout à fait. Je réfléchis. Oui, il faudra que tu fasses gaffe après aussi dans le move constructeur, mais. Que je fasse gaffe dans le move constructeur. Que tu fasses aussi ton initialisation avant de faire les moves. Peut-être ça vaut le coup de faire une fonction qui fait ça. Tu vas devoir le faire deux fois. Déjà, donc le descripteur est initialisé. Et du coup, ça, donc, pour le moment, on va regarder ici ce qu'il faut faire. Donc, c'est il faut itérer dessus et à chaque fois lui faire. Ça. Pas itérer. Sur une énu. J'ai itéré sur une énu, mais ça. Non, mais. Ah ouais, ça t'as la taille de. Bah, tu peux peut-être regarder ce que t'as fait dans le gameflow. Voilà. T'as la taille du tableau. Tu peux faire point size dessus et tu sais comment t'as d'éléments. Tu peux même faire un for each. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Puis j'ai bugué entre je voulais faire le for each sur le tableau et en même temps j'ai pensé à l'énum, mais ça m'a cassé. Je sais plus comment on avait fait sur le. Je les ai mis dans un autre dossier. Ah ouais, je les ai mis dans un autre dossier. Putain, j'ai bien rangé. Truc de ouf. C'est pas dans les notes. Ouais, tout en haut. Ouais, un for range. Ah, t'as fait un. C'est un range de l'énum. Bah, ça marche. Tu pourras tester le plus comme ça. Encore une fois, on va pouvoir retester le plus dans d'autres. D'autres contextes. Ouais. C'est fou. I donc sur MLC range. Attends. Plus. Oui, il me manque une parenthèse. Dieu, c'est bizarre, il met pas les accolades au moment. Et donc c'est ça la feinte. Oh. Le new in place, c'est une syntaxe. À dormir dehors un peu, je crois. Donc oui. Ici c'est status widget. C'est un mess. Je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser ce crime impuni. Par contre, locator il s'appelle pas locator, il s'appelle alloc. Le type c'est pas le bon non plus. Le type c'est pas le bon, ah oui. Des base widgets tout court, je crois. Ouais, super.
j'ai tout niqué. Bah en vrai, il y a peut-être pas forcément besoin de faire une fonction. Ouais, pour 3 lignes. Lignes. Par contre, dans le move, on n'a pas de... d'allocateur. Exa. C'est problématique. Est-ce qu'il serait pas stocké quelque part dans le base média de composantes? Non, bah dans le... dans le monde. Bah non. Non bah non parce qu'on l'envoie même pas à base widget component. C'est vrai. Ah, tu l'envoies au... Ouais c'est un peu crâne de le récupérer, je sais pas si tu peux le récupérer. Dans un widget qui serait potentiellement pas présent en fait au moment du move. Je sais pas mais y'a un truc qui va pas là. Non, c'est compliqué ouais. Mais sinon toi tu le stocks l'allocateur à ce niveau là quoi mais... C'est un peu pas fou hein. Bon tout passe. ouais non mais on va pas avoir le choix je pense. Ça arrive souvent hein, dès que des objets qui stockent l'allocateur. Oh. Pas méchant. On a toujours pas trop de politique sur qu'est-ce qui se passe quand tu fais un move d'un objet qui stocke un allocateur et que tu changes d'allocateur, tu vois. Celui qui est move, c'est pas le même que celui que t'as. Ouais. Du coup, pour l'instant. Ça fait un comportement un peu bancal, voilà. Non enfin, je crois que pour l'instant. Fait, c'est pas complètement prix. Déconnant, mais en même temps. C'est pas forcément l'usage que tu t'attends à avoir. Après, ouais, de toute façon, moi j'aurais pas 36 allocateurs, je pense. Maintenant, vu que ça le remplace en fait, ouais, dans les vecteurs par exemple. Et en vrai, j'ai réfléchi, mais en fait, c'est plus avantageux d'avoir plein de petits allocateurs localisés. Ah ouais ? Vu que tu sais, il te détecte les dics quand il est détruit. Ouais, au moins tu sais. Donc si c'est détruit. Assez rapidement, ouais, tu sais plus rapidement ce qui merde quoi, que d'avoir tout qui craque à la fin. Au final, tu peux faire des allocateurs par type d'objet, genre un allocateur UI, un allocateur gameplay. Par exemple. Ça rappellera certaines méthodes de boîte qu'on a connues. Mais ce qui est, ouais, je pense, avec les allocateurs qu'on a en tout cas là, actuellement, là, l'allocateur basique. Ouais, c'est mieux d'avoir des trucs qui sont détruits assez souvent en fait. Qui vérifient assez souvent qu'ils ont ramassé toute leur mémoire et tout ça. Ouais. Du coup, potentiellement, en fait, ce serait plus intéressant d'avoir un allocateur local à la frame d'interface. Comme ça, quand on change de frame, tout est détruit et du coup, on sait à peu près où. Bah, il faut que t'aies pas d'objet persistant du coup, quoi. Ouais c'est ça, enfin je veux dire pour tout ce qui est pas persistant ça peut mais... être ça. Oui potentiellement tu pourrais avoir un allocateur de genre... Comme ça au moins tu vois si t'as un widget qui leak ou n'importe quoi, au moins ouais, tu sais sur quelle page et tu sais quel type quoi. Enfin tu ouais. Peux savoir plus facilement quel type. Oui complètement. Donc oui ça peut être bien dans ton update de frame de d'envoyer un allocateur persistant puis un allocateur temporaire ouais. Pour les objets que tu sais qu'ils vont pas rester... au-delà de la frame quoi. Mais c'est un truc qu'on fait pas du tout nous pour l'instant. Là-dedans sur les allocateurs on est en pleine exploration. Quoi. Parce que je sais même plus comment ça se crée l'allocateur, je t'avoue que... Ça se crée avec rien du tout, c'est NLC malocator et puis... Ouais c'est juste il est déclaré à un endroit et puis... C'est ça. Donc en fait on pourra avoir l'allocateur là de la main function. C'est ça. Et c'est après pratique. Chaque contrôleur... Par exemple tu peux en avoir... Contrôleur, il c'est aurait ça. Son allocateur qui passe à lui. Pour les trucs uniques et exactement. Persistants. C'est ça. C'est pas complètement déconnant. Ça demandera une nouvelle refactorisation. Ouais. Je me suis ouais. Du coup entre temps. Bon du coup on va stocker le NLC. Par exemple on le fait de manière
C'est les allocateurs un peu spécialisés, enfin. On les fait de manière un peu sale dans le, certains trucs de debug. Il y a besoin d'un allocateur, ben on a lu dans le fichier CPP du debug, on crée un allocateur et puis voilà. Comme ça, ça vire toute la mémoire du debug. Et ça se nettoie à la fin. Du coup, pareil pour les tests et tout ça, vous avez des allocateurs différents de. Pour de toute façon, c'est des fonctions différentes. C'est ça, c'est pour les tests, chaque fonction, en gros, enfin chaque test va définir son allocateur. C'est un, et puis... c'est un programme différent finalement. Ouais, complètement. On peut les nommer les allocateurs ou pas vraiment en fait. Non. Bah après tu peux t'en faire un. Tu peux. En fait le l'allocateur de base il est fait pour être override, donc tu peux enfin, faire un héritage de allocateur par exemple. Et puis lui rajouter un nom. String. Parce qu'en vrai ça peut être pratique de. C'est genre qui te disent bah ça a leaké et, le nom c'est... de l'allocateur qui a leaké c'est page 3 sur 5 ou n'importe quoi. Surtout si c'est un truc assez générique, enfin une classe qui est instanciée plusieurs fois et qui a un allocateur. Ouais. Tu peux mettre un nom unique à chaque fois que tu l'instancies comme ça. C'est ça, comme ça, ça t'as une meilleure vision de ce qui se passe là. Je sais que là on a quelqu'un souvent. Si de base ou pas, mais... Quelqu'un souvent qui bosse un peu sur les debugs des allocateurs et notamment avoir des stats un peu qui sortent sur. Combien t'as fait d'allocation, quelle était ta charge max de mémoire, ce genre de truc. Ouais. Mais c'est. T'es encore en chantier. Ouais. Que ça demande de changer quelques petits trucs dans les interfaces, du coup. Mais du coup, dans le move, en fait, je suis pas censé les créer, je suis censé les move. Il faut d'abord que tu les crées. D'abord les créer. Dedans, pour ensuite les move. C'est ça. Et du coup, alors par contre. Et move quoi par contre? Bah, ceux de l'autre. Du coup, c'est status widgets crochet i. I égal NLC move. De RHS status widget. Te. I. Et après, il faut détruire le RHS. Bah, je pense. Ah, pas... Ouais, ou non, alors le destructeur va le faire en fait. C'est ça, faut que tu le fasses dans le destructeur. Fais un destructeur qui va appeler le destructeur des widgets. Je suis obligé de le faire directement. Parce que je le disais au pire, ça fait une certaine forme de parallélisme entre le new et le delete, mais en même temps, bah, autant laisser faire le destructeur. C'est faire son taf comme il doit faire. Plutôt reprendre celui-là, ce sera mieux. J'ai envie que tu compiles pour voir si le plus y marche. Moi aussi. Ça me stresse trop de pas savoir si ça marche. Puis j'ai tellement envie que ça marche. En fait. Ça me ferait tellement gagner du temps sur tout le temps. Ça c'est bon. Donc là on a. Mais de toute façon, ouais non, je suis con. Encore compilé de toute façon tout ça. Oui. Tant que personne n'include, c'est pas compilé. Tu le mets dans la maison. Mais de toute façon il faut le. Bah en fait il y a pas de CPP pour le moment. Ah tout ça c'est dans ton header là. Bah c'est que du header ça. Ah, sale. Bah oui mais en vrai y a que l'initialisation en vrai. Y a pas de logique. Hein. Ouais. C'est juste que là, pour le coup, l'initialisation est un peu plus corsée que les autres parce que bah il y a le stack buffer à initialiser. J'avoue, peut-être que ça justifie un CPP, mais je suis pas encore. Là, il y a le create instance mais qui n'existe pas. Pour le moment, on va le mettre là. Il me faut les renderers. Ça va pas le faire le juste à colette parce qu'il est censé renvoyer un truc quand même. Ah merde, il doit renvoyer un type. Mais tu peux return nul PTR. Ah oui, c'est un unique PTR, très bien. Ah ouais, c'est sur les nuls PTR, c'est des PTR standards qui sont utilisés, c'est ça. Ouais. Sur les optionnels où c'est nul. Tout à fait. Il faut le render. Comment ça s'appelle ?
Non, ce qui me semblait, les debugs, ils avaient un autre nom normalement. Oui. Je vais me faire avoir. Par contre, du coup, maintenant que je les utilise en vrai, je peux l'inclure ici. Widget component, je suis un traître. Faut que je le renomme. Oh, j'ai. Pandémie headers. Puis widget. Et on a dit, ça peut être button. Widget component. Non, du coup. Widget. Buttons. Widget.hpp. J'ai vraiment fait n'importe quoi sur le naming quoi. Oui, il est encore là. Et il est encore là, mais maintenant il est bien nommé. Enfin, bien nommé. Selon les normes actuelles quoi. De manière cohérente. C'est ça. Compiler. Ah non, il aime pas. Hein. Ah, on voit pas la compilation. Ah mais t'as pas inclus range. C'est normal. Ah ouais, c'est à cause de range. Pas que je pense. Oula. Quel endroit, hein. Non. Il aime pas le plus non plus. Hein. Je reviens deux secondes. C'est dommage. Tellement dommage. Attends, je vais déjà inclure le range du coup. Là. Ouais. Ah mais du coup ça va être ici. Faut vraiment que je fasse un CPP. Du coup peut-être que... Tu l'avais vu où ? T'as marqué du coup le plus. Que tu avais dit que t'avais vu un truc qui disait que ça pouvait marcher. Ouais c'était sur... dans le truc où je t'ai envoyé là. C'était le enum class, pour les enum class. C'était... Peut-être que ça marche pas sur les enum class. C'est ce que je... ça le catch. Ouais, comme je te dis, les mecs ils précisent pas sur quel, ah ouais, c'est quel type d'erreur ils sortent et tout ça, donc je pense qu'en vrai n'importe quel compilo avec un minimum de settings de tu me sors des warnings en erreur, il va te faire chier là-dessus. Hein. Parce que c'est un cast implicite en fait. Ah ouais. J'ai pas vu laquelle warning. Bah là il dit que le type est pas bon. Ah voilà. Parce qu'il essaye d'appeler l'opérateur de plus supplémentaire du coup. Ouais. Il dit qu'il y en a pas sur ce type. Et c'est essaye de passer en énum. En juste énum, ouais, parce que je suis curieux quand même de... Ouais. Peut-être fixe le reste déjà. Hop. Hop. Plus de... Tu fais quoi? Tu fixes pas la compile? La compile? J'allais faire un fichier CPP parce que c'est plus possible en fait. D'accord. T'as craqué. Ouais, je voulais pas. Ça a l'air de passer. Ouais, alors sans les new class ça passe. Hein. Ah, c'est repou. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que les new class c'est bien quand même. Mais en même temps, ne pas se faire chier à static cast dans tous les sens, c'est pas mal aussi. C'est bien aussi, ouais. Ah. Je suis partagé, hein, vous voyez. Risque là, tout taper à la main.
Ouais, t'as vu ça? Je suis un ouf, moi. Budget, components. Tout, j'écris très mal. Enfin, je tape très mal, on va dire. J'ai plus la gueule du constructeur. On va voler ça. Ouais, c'est le moment où je me suis dit, putain, faut que j'inclue range. Je fais, ouais, non, c'est trop. De toute façon, vu qu'il y a le create instance. Ouais, j'étais obligé d'avoir un CPU. Et là, tu vois, je pouvais feinter en mode, genre, bah, je le fais pas tout de suite et puis ça marche. Ouais. Ça n'aurait pas duré. Donc là, par contre, lui, il va être chiant. Parce que ceux-là, ils sont jamais définis dans. Bah, tu vas me dire, au moins ça va déplacer la complexité du ifdef dans le TPP, c'est pas plus mal. Ouais, c'est franchement pas plus mal ça. Ah, mais je suis débile, moi, dis donc. T'aligne aussi la ligne 11 avec les parenthèses. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il était niqué en fait. C'est ce que c'est un membre de ce truc là. Eh oui. Par contre, ouais, du coup, j'ai pris le virtuose destructeur. Bon, du coup, je crois que j'ai pas à remettre le virtual. Oui, non, il faut pas le mettre. Dans la définition, c'est pas nécessaire. C'est même interdit. Oui, carrément. Hop, oups, je suis trompé. Donc ça. Ok, je pense que c'est un dégage. On peut l'élever quand même. Comment? On peut tant plus l'élever quand même. Ah, mais je crois que j'ai fait sauter un. Constructeur aussi, c'est pour ça qu'on sent les jeux. Oui, le constructeur. On sent un peu trop le jeu. Mais quand même, c'est déjà un peu plus lisible, quoi. Oui, donc on a dit qu'il fallait inclure range. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai mis ici que je pourrais. Non, j'ai toujours besoin de NLC Move. J'ai besoin de ces trois trucs-là dans le CPP. Bon, ils sont plus dans le range. Est-ce que je les remets? Bah, moi en général, je fais pas de double entre le header et l'implem direct. Que les trucs spécifiques à l'implem? Ouais. Et du coup, là, c'est le range en question. Alors, le range, je sais plus où c'est. Dans. Quand tu devines. Faut que je devine. Parce que tu sais plus où c'est ça? Si si. C'est du dialecte? Ouais. Ça c'est une extension du langage, c'est ça? Exactement. Pas besoin de l'allocation dynamique. NLC dialect. Range. Il faut que je rajoute. Fichier
Ah bah oui, voilà, maintenant que j'ai changé de maison, il y a tout qui devient fou là. Je peux pas changer de maison. Expected function body, oh putain, function body. Expected. Remettre l'override dans le CPP. Ah. Allez, copier-coller. Hein. C'est mal, on le dit pas assez. Ouais. Oh mon dieu! C'était pas tout. Donc là, il dit quoi? Complicit commercial account. Ah, c'est que tu utilises pas Alloc aussi. Hein? Quoi? Là, ah, juste oui, au-dessus. Là, ici, ouais, il est là en mode genre. Oh là là! Void de Alloc. On veut pas de vos allocations, monsieur. Ah, parce que là, le plus. Il va te l'envoyer sur un type signé, je pense. Du coup, ton i c'est un type signé. Tu essaies d'accéder. Ah ouais. Avec un divisible. Pas... Peut-être si tu mets LC range avec 0 U. Il va convertir en unsigned. Ou alors il va dire qu'il va pas trouver de. Il va pas trouver de. Ouais. Je pense qu'il va surtout dire. C'est l'inverse. Là, mais c'est pas compatible. Ouais. C'est pas compatible entre le premier type et le second. Possible. Mais ils s'en foutent. Ah ouais. Ils s'en foutent, c'est tout pareil. Bon bah du coup là il faudra static. C'est un bon argument. Du coup il faut le static cast en insane en 8 directement. Ouais. Là, je crois qu'il si tu veux faire les choses propres, tu peux faire un underlying type de status. Underlying type de status, quoi. En fait, sur les enums, t'as un LC meta underlying type qui te renvoie le type d'entier. Sous-jacent. Ouais. Ouais. Ah oui. Et du coup, ouais. Ça fait un truc très très verbeux. Oui, un peu. Ouais. Et là, il est pas d'accord parce que. Construction. T'as pas le allocateur. Ouais, je pense qu'allocateur, il faudra que tu le prennes en pointeur. Pour pouvoir le réallouer, le changer au move. Je crois que surtout qu'au move, j'en ai rien fait en fait. Je l'ai pas pris. Ouais. Et vu que c'est une référence, tu pourras pas le changer. Alors soit tu le changes pas dans le move et tu assertes que c'est le même. Ou sinon, je prends un pointeur, c'est ça? C'est ça, tu prends un pointeur et tu le dis, maintenant dans l'allocateur c'est celui de l'objet qui a été move. C'est ce qu'on fait ça dans les vecteurs et les containers en général. Et du coup tu prends un pointeur raw pointer ou un unique pointer? Un raw pointer. Un raw pointer. C'est une référence en fait sur un truc qui existe. Ouais. Ça. T'as pas l'ownership. T'as pas l'ownership du machin quoi. Exactement. Donc là par contre du coup c'est l'adresse d'Alloc qu'on va prendre. Et... C'est ça. Là je peux juste prendre l'allocateur en fait, c'est ça. J'ai pas le move. Par contre je vais pas mettre de point virgule non plus. Arrêtez les conneries à un moment. Et par contre du coup quand t'appelles le constructeur in place il faut que tu le déréférences. Ah oui c'est vrai. C'est vrai qu'on l'utilise des fois. C'est ça. Astar locator. Eh oui. Bah il faut bien déplacer les pions. Donc là il est pas d'accord avec le can't be assigned because it's copy assignment. Et t'as pas de move. Ah, il faut... T'as pas de move dans base widget. Ah il y a le move constructeur mais il n'y a pas l'opéra. Enfin le move assignator. Ah voilà. Ah, c'est donc ça qui manque. C'est pour ça. Ouais. Ça peut se faire dans la classe hein, ou faut que ce soit extérieur à la classe. Ah oui non ça se fait dans la classe. C'est l'opérateur égal et puis avec un R value. Et tu dois renvoyer une référence de base widget. Donc en général tu renvoies étoile 6. Ouais c'est le même truc que l'opérateur égal quoi. Bah oui, bah c'est l'opérateur égal. Du coup c'est auto opérateur égal. C'est juste que du coup tu prends base widget. C'est ça. Place, tu vois, base widget.
pousser. Une position, on va pas se faire chier non plus. Ouais, tu peux le décoller. Ça, c'est pareil. Et components. Et du coup là il me remet pas en place. Pardon. Mais ça devrait être bon. Alors. Ah ça paraît. Il manque un set case dans un range. Ah oui, je regardais au-dessus encore. Ça, c'est très trop ça, faut vraiment que je fasse le... Ça manque un peu de coloration. C'est mieux ça. Bah oui, mais c'est le prompt Visual Studio là. Ouais, mais même... Chose, mais... déjà, il colore pas trop. Enfin, il y a les fade quoi. Genre ça, tu le vois bien. Tu vois les erreurs, mais tu vois pas trop la fin d'une compile. Mais surtout qu'en plus, tu peux avoir plusieurs projets qui fail en même temps en fait. Et du coup, tu auras plusieurs fails et ça veut pas dire forcément que c'est la même erreur ou pas en fait. C'est pas très bien fait. C'est pas très joli. Normalement, après, c'est. Tu sais, dans les IDE, après, ça se branche sur un truc qui va faire le parsing à ta place. Ouais, c'est ça, il va faire le nettoyage et faire en sorte que ce soit lisible. J'oublie un static case. Bah du coup ça a marché sur un truc. De quoi? Bah le plus. Oui. Ça a marché sur un truc et en étant pas. Après Mais il faut pas mettre rien une classe. Ouais, du coup. Après j'ai envie de tester un truc. Ah si tu le fais directement comme ça va. Je pense que ça marche. Putain, je vais pas y arriver. Ah d'accord. Ah oui, c'est que t'as pas défini la variable statique local type. Ah oui. Mais du coup, ça compile en fait. Ça se passe parce que tu forces le. Parce que la comparaison en fait. Ça m'étonne que la comparaison est logique. Bah en fait il peut comparer des types qui sont pas forcément compatibles entre eux. Mais par contre passer de 0 à un type qui n'est pas le même, il y a un word là il sur... veut pas je pense. Ah ouais, ouais il y a des comparaisons avec les synthèses différents. Et peut-être que là en fait dans le contexte, comme I il a un type fixé, peut-être qu'il déduit le size, il déduit le type du plus statistique truc, alors que range vu que c'est un truc template où il doit déduire le type. Ouais je pense que c'est ça. Il est pas trop d'accord. Je sais pas quoi faire en vrai. Partager. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait là je peux virer le for et du coup à ce compte là je mets le static case dans la déclaration, comme ça c'est fait en fait. Et puis on m'embête plus quoi. Puis ça peut redevenir une minime classe. C'est ça. T'en as qu'un en fait de static case. Enfin pas qu'un mais... Non mais du coup j'en ai qu'un seul à rajouter. C'est ça. Mais par contre, si je laisse en enum mais que je réutilise la boucle for, j'ai plus du tout de static cast. Ouais, mais t'as plus d'enum class. Ouais. C'est ce qui est dommage en soi. Ah, mais les enum, c'est la merde. Bah ouais, c'est dommage parce que j'ai vraiment espéré que ça sauve la situation. Et ça sauve la situation jusqu'aux enum class, quoi. Où là, bah du coup, c'est nickel, c'est dommage. Après tu peux, si tu définis sur ton enum class l'opérateur unr plus qui te fait la conversion. Ouais, super. Ça marche. Du coup faut le faire à chaque fois quoi. C'est ça. Puis du coup la responsabilité du cast elle est inhérente à ce côté là et c'est à toi de définir sur quoi tu castes. Ouais. Au final. Et tu vas te retrouver à faire une macro pour le faire automatiquement.
Ah oui, j'ai pas. Ouais, c'est vrai que tu peux faire une macro qui définit une énigme classe et en même temps ce truc-là, ouais. Comme ça. Et après, t'as vite envie d'instrumentaliser, de mettre des macros qui te fait aussi. La longueur qui te fait. Machin et tout ça, des strings, des machins. Ça devient vite le bordel des macros. C'est ça, après c'est l'enfer. Et puis après, il y a des gens, ils arrivent sur ton projet, ils comprennent plus rien parce qu'il y a des macros dans tous les sens et que les macros c'est pas fait pour être lu. Pour exciter les macros. Tu sais que le 2.8, tu peux le faire aussi sur les énigmes pas classe. Hein. Ouais, je sais pas, là j'ai paniqué, je l'ai dégagé en même temps. Mais... Du coup, ça compile là? Ouais, compile, tout bien, tout propre. Ah bah je vois qu'il est 8h. Ouais, du coup, c'est pile à l'heure. Prochaine fois, on fera le chargement, parce que bah, là, on a que la déclaration au final. C'est ça. Ce sera chargé, faudra encore faire l'affichage. Bon, l'affichage normalement c'est pas compliqué parce qu'il suffit de définir quel widget on affiche. Ça sera pas compliqué. Il y a le contrôleur après. Contrôleur, faire. Où là ce sera un peu plus compliqué parce que c'est lui qui va faire les switches de status. Quoi. C'est ça qui devra gérer les inputs. Et après il y aura le branchement de la callback. Ouais, et là pour le coup ce sera encore un autre morceau. Il y en a pour 3 séances. Un truc comme ça. Et B. Tout ça pour avoir un bouton que pour quitter le jeu quoi. Ah, bravo. Non, pour avoir des boutons. Non, on pourra faire deux boutons pour quitter les 10 ans. On pourra faire deux boutons pour quitter le jeu, ouais. On pourra avoir plein de trucs cliquables après. Genre les cartes elles pourront être cliquables. Et ça c'est pratique quand même. Ouais. Tant qu'on n'a pas ça en vrai. C'est compliqué lui quand même, il a beaucoup de trucs à faire. Ouais. Pour ça c'est dommage que vous ayez pas de framework de vie. Mais... Bah parce que c'est compliqué. Nous on s'est dit, merdez-vous. Hop, très bien, donc du coup on va s'arrêter là. Ça fait, qu'as-tu fait on fait un petit compte rendu là. Alors donc du coup moi j'ai refait deux héros, enfin non j'en ai créé deux, j'ai créé une rôdeuse des mers pour coller au thème eau qu'on avait commencé à faire avec le surfeur là, et puis j'ai redonné un autre, en fait elle sera très polyvalente dans le sens où genre, comment dire, elle deal du dégât. Elle peut faire un peu de crowd control genre en stunnant, en fait non c'est genre en gros elle est très utile en PVP en vrai. Elle est très utile en PVP. Vraiment plus en PVP d'ailleurs qu'en PVE. Sinon en PVE elle est utile quand elle est en guild. Parce qu'en gros son délire c'est si jamais l'adversaire la réattaque pas dans le tour prochain, en fait il se prend gratuitement ses dégâts. Déjà. Déjà il y a ça. Après il y a aussi le fait qu'elle peut se retirer des malus. Genre tout ce qui est saignement ou quoi. Ou même des debuffs hein, qui feraient que bah, elle attaque moins fort ou quoi, enfin bref tout ce qui serait malus quoi. Ou des buffs. Et quand elle est en guild, en gros elle génère des PO si jamais genre tu tombes sur une carte event qui n'implique pas un combat. Ça c'est ce qu'elle fait. Quant à l'autre, celle que je viens juste de finir vite fait le concept en mock-up là. En gros son délire, elle, ce sera vachement plus. En gros, dans le debuff, elle va faire que ça, que debuff. Parce que c'est. Elle est vraiment plus douleur, machin et tout ça. Elle aura pas mal d'empoisonnement aussi. Et. Elle est très. Alors en fait, elle rentre plutôt dans la stratégie plus agressive du PVP en fait. J'ai fait vraiment 3 personnages plus PVP aujourd'hui. Pour ajouter un peu plus. Parce qu'en fait, les autres personnages n'étaient pas trop PVP. Enfin, il manquait un peu justement de personnages agressifs, vraiment. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait du coup un autre aussi assassin
Bref, j'ai fait que des méchants aujourd'hui. Peut-être à part la pirate. Parce que la pirate, quand même, elle a un spell, ça s'appelle Noblesse Retrouvée. Hein. Donc ça va. Ah d'accord. Pas si méchante que ça. Enfin bref, voilà. Et du coup aussi, sinon j'ai enlevé plusieurs aussi éléments de capacité de guide qui n'avaient plus aucun sens. Et du coup que j'avais remplacé. Et voilà. Du coup, j'essaye toujours de suivre un petit peu la feuille de route que j'avais fait avec les... est-ce qu'on veut en stratégie de game qui ne sont pas assez élaborées, qu'on n'a pas, enfin qu'il n'y a pas encore beaucoup de héros qui représentent ce genre de strat. Et des héros un peu plus polyvalents aussi, surtout, qui soient pas juste cantonnés type guildé ou type en donjon. Qui soient intéressants que ça soit en donjon et en guild. Et du coup, ça, c'est en fonction de la stratégie adoptée. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Et que je dois continuer d'ailleurs, c'est pas possible que ça soit fini aujourd'hui. Voilà. Ok. Du coup, c'est création et refonte de certains trucs. Ok, pour faire un peu un truc un peu plus cohérent, quoi. Un ouais, voilà. Plus cool. Et parce qu'on en avait discuté à un moment donné avec Cyril, pardon, avec Ulor. Pardon, désolé. Avec Ulor, du coup, on avait discuté et en fait, le plus simple, c'est de rajouter des héros. Vraiment, d'en rajouter pas mal. Voilà. Voli volou. Du coup, est-ce qu'on a un mot de la fin? Carotte. Carotte. Turpitude. Turpitude. D'accord, très bien. Et bah écoutez, c'est sur ce que ça s'achève. Et on fait mardi, c'est ça? C'est ça, ouais. Yes. Attends, je vais juste regarder la date. 31. Mardi. 31, c'est bon. Ok, très bien. Bon bah du coup, on se dit à mardi 31. Tchou tchou. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.